Amis téléspectateurs et auditeurs de Savane Média, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Une émission spéciale voulue et initiée par l'Union des religieux coutumiers du Burkina, URCB et SD, en collaboration bien sûr avec Savane Média et Billy Naounon. Pour co-animer cette émission, je suis avec un collègue, il s'agit donc de Mikaïlou Ouedraogo, chargé de projet de Billy Naounon, et moi-même Abzeta Kabouré de Savane Média bien sûr, pour animer cette émission. Alors Mikaïlou, bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta. Bonjour et merci d'être là pour co-animer cette émission avec nous. Et comme invité du jour, des leaders religieux et coutumiers, il s'agit donc de Imam Diouni Talouta qui est un de nos invités. Bonjour Imam. Bonjour. Alors également le pasteur Didier Ouedraogo et Baloum Naba de Tampuy. Donc ils sont tous les trois nos invités. Bonjour à vous messieurs. Et à côté donc de nos invités, nous avons la gestionnaire comptable de l'URCB SD, Madame Laetitia Compaoré. Bonjour et bienvenue. Alors, à côté de nos invités, vous avez en face des jeunes qui sont là justement pour donner leur avis également sur le thème du jour. Bonjour, chers jeunes. Alors, le thème général de cette émission, c'est la santé sexuelle et reproductive, la définition de la sexualité, les causes de la sexualité précoce, les conséquences et puis bien sûr les solutions de nos doyens. C'est un peu donc les articulations de cette émission. Je rappelle que vous nous suivez sur Savane TV et vous nous écoutez également sur la 103.4 Savane FM, bien sûr. Et pour débuter cette émission, quand même, je donne la parole à mon co-animateur pour qu'il puisse nous présenter le projet. La campagne Billy Naounon. Alors Mikaïlou, Billy Naounon, qu'est-ce que c'est? Ok, merci bien Abzeta. Il faut dire que Billy Naounon, c'est un projet en tout cas qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'ONG et PIPI Global, Plan Parenthood Global. Et le projet Billy Naounon est exécuté au niveau du Burkina Faso ici, et dont la coordination est assurée par l'ONG Burkasso, le Conseil burkinabé de développement communautaire. Donc Billy Naounon, c'est quoi? Billy Naounon, c'est un projet qui vise à 1 milliard voilà, de jeunes sur le continent africain et responsable de sa santé, sa sexualité et aussi de sa destinée. Parce que très souvent, le constat que nous faisons sur le terrain, la plupart du temps, les adultes voilà, prennent des décisions à la place des jeunes, alors qu'en tant que jeunes, nous avons l'habitude de dire que toute décision prise pour nous, sans nous, est d'emblée contre nous. Donc Billy Naounon est un projet d'engagement des jeunes. D'accord. Merci bien pour cette explication. Et puis nous rentrons dans le vif du sujet. Rappelons que le thème, hein, c'est justement la santé sexuelle et reproductive. Et nous avons à nos côtés des leaders religieux et coutumiers, également des jeunes en face donc de ces leaders religieux et coutumiers. Et tout de suite, je m'en vais donc donner la parole à notre chef traditionnel, le Naba, Baloum Naba, qui est sur ce plateau avec nous. Alors, chef Naba, comment on peut définir la sexualité? Qu'est-ce que la sexualité selon les coutumes, selon vous? Selon les coutumes et la tradition, c'est une intimité entre un homme et une femme qui aboutit à des rapports sexuels et qui vise la procréation ou le plaisir. Mmh. Voilà comment nous pouvons définir la sexualité chez les coutumiers. C'est exclu de toute sexualité actuelle. Ils sont par exemple une sexualité entre un homme et un homme, oui. Ce qu'on appelle les PD, les lesbiennes et d'autres formes de sexualité qui existent entre un homme et un animal. Nous les excluons de notre société. D'accord, voilà merci bien. Définir. On va passer le micro à votre voisin. Oui. Imam, comment vous définissez la sexualité sur le plan religieux? Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc, je m'excuse. La sexualité, vue de l'angle islamique, elle va se définir comme ça pointe à l'œil. C'est une intimité entre hommes et femmes. C'est hétérogène. Et nous bannissons, comme le disait le chef, par rapport à tout ce qui n'est pas dans ce sens, rapport homme-femme-intimité. Nous, la religion musulmane ne se reconnaît pas à travers ça. Mais aussi, la sexualité va transcender ça. C'est-à-dire tout ce qui aura attrait à comment se préparer et à gérer et cette intimité va faire partie de cela également. Mais aussi la sexualité sera vue en islam comme étant un acte par moment de dévotion, étant donné que quand on le fait, des cadres, il y aura un cadre pour pouvoir le faire.
En islam, on ne pratique pas la sexualité parce qu'on est apte à le faire. Et ça suppose qu'on le fait dans un cadre légal religieux, c'est-à-dire à travers le biais du mariage. Voilà pour le moment ce que je peux dire succinctement, ce qu'on entend par sexualité en islam. Alors, pasteur, est-ce que c'est presque la même définition chez vous? J'ai tout d'abord à remercier l'URCB et son partenaire qui a créé ce cadre-là, de rencontres avec les jeunes pour échanger autour de cette problématique qui est d'actualité. Alors, disons que selon la Bible, la sexualité fait partie de la nature humaine qui provoque chez un homme et une femme le désir sexuel. Elle a été créée par Dieu pour jouer un rôle important dans la vie des hommes et des femmes. Alors, ainsi la sexualité, comme la Bible le souligne, voulue par Dieu. Alors, il est intéressant pour les jeunes et tous ceux qui nous écoutent d'appréhender les raisons pour lesquelles Dieu a créé justement la sexualité. Et si les uns et les autres appréhendent cela, alors je pense que sa gestion sera plus facile. Donc disons c'est voulu par Dieu et son utilité aussi doit être faite dans un cadre bien précis qui est le couple marié. Et je pense que nous allons peut-être, au fur et à mesure, débattre encore par rapport à la sexualité des jeunes. Mais pour nous, c'est réservé exclusivement au couple marié, comme mes prédécesseurs l'ont souligné. Alors, nous allons voir si c'est l'avis des jeunes. Maintenant, est-ce que dans le public jeune, justement, il y a quelqu'un qui peut nous donner la définition de la sexualité selon son entendement? Celui qui tient le micro, ah d'accord. Mademoiselle. Ok, merci. Moi, c'est Wangrawa Adiza. La sexualité, pour moi, c'est l'ensemble des mécanismes et comportements physiologiques et qui participent à la reproduction de l'être humain. D'accord. Ça, c'est la définition que vous donnez. Quelqu'un d'autre? Ok. Bonjour. Merci aussi de nous avoir convoqués à cette petite interview. Oui. Donc la sexualité ici. Ok, Darga Jeff. Voilà, Darga Jeff. Donc la sexualité ici, elle relève de tout ce qui attrait au sexe, tout ce qui tourne autour du sexe, comme la procréation, le plaisir, la santé sexuelle. Donc c'est à peu près tout ce qui part avec le sexe. Pour ajouter à ce qu'elle a dit. Merci bien. C'est sûr, nous allons avancer dans le débat à travers ces opinions. Alors, Michael, je te laisse pour la suite. Ok. Donc, je retiens en tout cas de la définition, en tout cas de la sexualité, du point de vue religieux et coutumier, que la sexualité, on ne s'adonne pas à cette sexualité-là parce qu'on est apte à le faire. Oui. Mais voilà, et cela se fait dans un cadre légal ou voilà, dans un cadre du mariage. Maintenant, je suis en tout cas curieux de poser la question. Et au doyen, c'est de savoir quel est le constat que vous faites sur la sexualité des jeunes aujourd'hui. Voilà. Alors, Nava, qu'est-ce que vous constatez? Aujourd'hui, nous sommes bouleversés par le comportement de beaucoup de jeunes quant à la vie sexuelle qu'ils mènent. Parce que dans la tradition ou dans les coutumes, on pouvait être activement sexuel, mais on ne pose pas l'acte sexuel. C'est quoi la différence? La différence, on est physiquement. Oui. On est un homme bien bâti, mais il y a des intérêts qui font que tu ne peux pas poser l'acte sexuel n'importe comment. Il faut quand même te marier, un processus. D'accord. Pour pouvoir jouir de ta sexualité. C'est parce que tu es un homme de 20 ans, 18 ans, activement sexuel et que tu dois te permettre de faire certaines choses. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui les jeunes rentrent activement dans la sexualité, très précoce même, c'est le constat qu'on fait. Parce que on voit des jeunes filles qui ont 11 ans, 12 ans même, qui tombent en grossesse, c'est que, comme on a dit que la sexualité conduit, vise même la reproduction. Ça veut dire qu'elles sont déjà actives. Et des jeunes hommes aussi, on voit
souvent des maladies sexuellement transmissibles qui les affectent. Ça veut dire qu'ils sont sexuellement transmissibles, sexuellement actifs. Or, dans les coutumes, il fallait prendre un processus, un temps, pour quand même jouir de cette sexualité-là, jusqu'au mariage. Voilà pourquoi le conseil à mère aujourd'hui, tout le monde essaie de jeter là-dedans. Quand on dit non, et les jeunes aujourd'hui, méfiez-vous, oui, abstenez-vous, ça pose problème. C'est vraiment triste. Et on voit les conséquences. Merci bien. On va en venir aux conséquences après. Maintenant, Imam, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui concernant cette sexualité? Bien, le constat aujourd'hui, c'est que ce n'est pas intéressant pour nous religieux, surtout musulmans que nous sommes. Parce qu'il faudra qu'on comprenne que chaque chose a son temps. La sexualité en tant que telle n'est pas une chose intérieure. Elle est même placée comme un acte d'adoration, je le disais tantôt. Elle a un rôle, certes, de procréer. La sexualité a un rôle de procréation, mais également un rôle de donner du plaisir. Mais l'un dans l'autre, et la religion a pris le soin de programmer ça. Par exemple, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, va exhorter ceux-là qui n'ont pas les moyens d'attendre qu'Allah puisse leur donner les moyens avant de se marier, c'est-à-dire avant de rentrer en plein dans l'activité sexuelle. Mais le constat aujourd'hui, c'est qu'on anticipe. On rentre, on est en activité sexuelle et avant même le mariage ou le cadre légal. Ce qui fait que le constat aujourd'hui dans la société, c'est qu'on a beaucoup de femmes aujourd'hui. On est obligé en tant qu'imam d'arranger après. Sinon, on ne devait pas avoir un enfant avant d'aller au mariage. Ça ne devait pas arriver. Mm-hmm. Donc ça, c'est un signal fort que l'activité a pris le dessus et que les barrières ne sont plus respectées. Donc voilà le constat que je fais. L'indicateur fort, c'est que de plus en plus, on célèbre des mariages. Des enfants assistent au mariage de leur maman. C'est dommage ce que je dis. Mm. Mais pour la religion, on série les choses, quoi. Le mariage d'abord, le baptême après. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, hein, parce que c'est ça aussi le constat actuel. Souvent, à un enfant, ça peut arriver, mais souvent, il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à 2 à 3 enfants avant même de concrétiser l'acte de mariage. Bien, ça, c'est plusieurs causes qui justifient cela, mais l'un dans l'autre, la religion ne peut pas tolérer. Même déjà, hein, on était en infraction. Okay. C'est dire que même si on veut aller à 2 et que la jurisprudence permet de valider le premier, mais même ça, le droit musulman ne reconnaît pas cet enfant. Par exemple, il y a un préjudice. C'est dit qu'en cas de décès, si l'héritage devait être partagé selon les normes religieuses, cet enfant l'a subi un préjudice, il ne peut pas hériter de son papa, sauf ce que le papa lui aurait donné. Ce n'est pas valable pour la maman. Bon, on ne va pas aller sur ce terrain. C'est juste comme vous avez demandé le constat. Le constat, c'est que, et en tant qu'imam, nous, on a remarqué que de plus en plus, on célèbre des mariages avec des couples déjà ayant des enfants, alors qu'on devait patienter et aller au mariage avant d'arriver aux enfants. Voilà. Merci bien, pasteur. Et j'aimerais abonder dans le même sens par rapport à l'activité évidente sexuelle de beaucoup de jeunes. Heureusement, pas tous. Mais j'aimerais quand même relever quelques idées fausses sur la sexualité. Je vais relever au moins 4. Un, il y a des gens qui disent que c'est mauvais pour un jeune de ne pas avoir de rapport sexuel. Et ce discours-là, quand les jeunes, certains jeunes qui ne sont pas encore actifs, l'entendent, parce que pour des raisons de santé ou de procréation future, alors peuvent être tentés de s'engager, alors que c'est réellement faux. Ensuite, il y en a qui disent que si le jeune n'a pas de rapport sexuel, son corps emmagasine le sperme produit, puis le rejette pendant le sommeil et se remet à en produire ensuite. Alors, nous savons que cela aussi, ce n'est pas une réalité. Alors, certains jeunes pensent qu'il faut nécessairement plusieurs rapports sexuels pour que la fille conçoive. Donc, tantôt, mes prédécesseurs parlaient de grossesses qui interviennent. Alors, un seul rapport sexuel suffit pour que la grossesse intervienne. Donc, ce n'est pas le fait de dire que non, c'est une seule fois, il faut 2, 3, 4 fois pour que la fille tombe enceinte. Non, ça, ce n'est pas une réalité. Et il y en a qui croient aussi que la sexualité, c'est seulement avoir des rapports sexuels. Là aussi, ce n'est pas tout à fait vrai.
parce que c'est donner de profonds baisers et se caresser, surtout au niveau des parties intimes, alors fait partie aussi de la sexualité. Et donc, du coup, tout acte ou les gestes ou paroles même qui ont des connotations sexuelles et qui a pour but de susciter sur l'autre-là une envie, alors participe à la sexualité. Alors, c'est pourquoi nous insistons que tout cela devrait être réservé au couple et non aux célibataires. D'accord. Merci bien, pasteur. Peut-être qu'on va donner la parole à un jeune aussi. Alors, est-ce qu'actuellement, on constate vraiment que les jeunes de nos jours, ça ne va pas, ils s'adonnent très vite à la sexualité? Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que si vous partagez l'avis des leaders religieux et coutumiers? Je vais essayer de donner un peu et de laisser les autres ajouter. D'accord, donne un peu et puis je laisse les autres. Le constat aujourd'hui est que bon, les jeunes vont vite en besoin. La sexualité est devenue un loisir. On peut dire même l'amour d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et les jeunes ne recherchent plus d'autres valeurs dans les relations. C'est uniquement le sexe qui les intéresse dans les relations. Et c'est surtout dommage. Mm-hmm. Je vais laisser quelqu'un d'autre compléter. Présentez-vous. Merci pour la parole. Moi, je suis Mademoiselle Siri Marlène Oisina. Je pense que de nos jours, la sexualité, comme elle l'a si bien dit, est devenue beaucoup plus basée sur le plaisir que sur les valeurs auxquelles elle était attachée aux temps anciens. Parce que les jeunes vont vite en besoin. En plus, il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent. Comme l'a dit Monsieur le pasteur, il y a des idées fausses sur la sexualité qui encouragent même ceux qui n'ont pas envie de passer aux actes sexuels, à le faire, et cela déprave les mœurs. Okay. Merci. Alors, le constat, hein, le constat est là. Actuellement, on remarque que les jeunes s'adonnent vite à la sexualité et puis ils ont des croyances en fait concernant cette sexualité. On se demande maintenant qu'est-ce qui provoque cela. Avant, vous avez dit les jeunes patientaient quand même d'avoir leur conjoint avant de s'adonner à des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça a changé aujourd'hui? Et aujourd'hui, ce qui a fait changer les choses, c'est surtout besoin matériel. Vous savez que les filles d'aujourd'hui veulent surtout arriver à avoir beaucoup de besoins et satisfaire tout ce que, à l'approche de ces fêtes, vous allez voir. Elles ont des grands besoins qu'elles veulent satisfaire. C'est vrai que souvent, en décembre, on dit qu'il y a des enfants de décembre. Ah, d'accord. Si on attend 9 mois après décembre, c'est quel mois? Vous allez voir combien de filles vont accoucher. Waouh. Et septembre. Septembre. Donc, le besoin aujourd'hui, le besoin matériel surtout les conduisent à une sexualité très précoce. Mm-hmm. Et comme il y a souvent la pauvreté des parents, ils font qu'on n'arrive pas à satisfaire nos enfants, ils sortent chercher dehors ce qu'elles n'ont pas dans la cour ou ce que papa ou maman ne donnent pas. Ce qui fait qu'elles tombent dans la sexualité précoce. Et le plaisir, il y a beaucoup aussi qui veulent imiter parce qu'elles en ont, elles veulent découvrir le sexe de l'autre. Et ils vont à la découverte. Si bien que, comme le pasteur l'a dit, une seule relation, grossesse. Et en plus, il y a la maturité des filles. Vous voyez, il y a des filles de 10 ans, quand vous les voyez, vous croyez qu'elles ont un âge de 15 ans ou bien 17 ans comme ça, à cause de leur morphologie. Parce qu'elle mange très bien. Aujourd'hui, les conditions nutritionnelles se sont améliorées. Oui. Donc, elles ne souffrent plus de carences nutritives. Mm-hmm. Elles prennent des formes inquiétantes. Oui. Et voilà. Elles se disent qu'elles sont déjà des femmes. Oh non. Je pense que toutes ces causes font qu'elles tombent dans la sexualité précoce. C'est ce que je vois d'abord. Okay. Les besoins, leur morphologie et
le fait de découvrir le sexe de l'autre. D'accord. Okay. Alors, imam, qu'est-ce qui peut causer une sexualité précoce? Bien, en plus de ce que Nava a cité, moi j'allais ajouter un autre élément. Il y a le fait que la religion n'a pas accepté l'isolement. Okay. Mm-hmm. L'isolement aujourd'hui, quand on regarde de par le passé, nous quand on était enfants, par exemple, nos parents n'acceptaient pas qu'on soit toujours fourré entre les femmes ou les filles et vice-versa. Oui. Donc il y a là du fait que les gens sont trop côte à côte aujourd'hui, mais avec la bénédiction de l'isolement, mm-hmm. ça crée problème. Et des cas comme ça, bon, quand on est isolé, nous en religion, on dit que le diable vous assiste, c'est le troisième. Oui. Et au début, ce n'est pas l'intention, mais vers la fin, on arrive. Donc l'isolement peut être une cause. Et même aujourd'hui, la nature de l'administration, dans un service, vous rentrez, vous voyez un homme, une femme seulement, mm-hmm. dans un bureau, c'est fermé. Bon, tout ça, c'est des valeurs. Et la tradition et la religion musulmane que je maîtrise bien et n'ont pas accepté, c'est des barrières pour quand même ne pas arriver à certaines choses. Il y a aussi aujourd'hui l'aisance. L'aisance, les gens ne sont plus à ce que je vais manger demain. Il y en a, mais juste pour la survie, on ne souffre plus de ça. On ne peut plus faire un cauchemar parce que je n'ai pas quoi manger demain. Donc cette aisance matérielle a fait que les gens... ça donne aussi à certains plaisirs, je dirais un peu plus que précipité. Oui. Donc, à la faveur également des réseaux sociaux, ça aussi c'est une cause. Mm-hmm. Quand j'ai suivi certaines choses sur mon iPhone, ça peut susciter à certaines choses, à certaines expériences qu'il faut tenter. Oui. Mais pour que les autres vont compléter probablement, il y a aussi qu'on ne parle pas de ça. Les choses ayant changé. Mm-hmm. Parce que de par le passé, le sujet était tabou parce qu'on n'échangeait pas. Maintenant que ce que je ne dis pas à mon enfant, il y a 20 ans, il ne pouvait l'avoir nulle part, si ce n'est pas moi, oui. ou bien sa tante. Mais aujourd'hui, je pense que mon enfant ne sait pas, alors qu'à travers Internet, l'enfant, même si je devais faire un test avec lui dans certains domaines, il pouvait même me battre. Donc c'est une cause véritable. On tient à ne pas parler parce qu'il est mineur, il est ceci, c'est là où bien les mineurs. Il y a matière d'instruction dans le domaine. Il peut être un qui puisse vous apporter beaucoup de choses. Donc du fait qu'on n'attire pas l'attention des uns et des autres sur certains éléments nouveaux avec l'apparition des signes au niveau de la puberté, c'est déjà, il faut parler, prévenir des dangers. Même si on ne veut pas l'encourager vers... ce qui l'arrange, qu'on le prévienne des dangers. Ma fille, voilà maintenant que tu as ça, ça, ça. Si tu t'amuses, voilà, voilà, voilà ce que tu cours comme risque. Et cette communication n'étant pas aussi dans les familles, je pense que ça peut être aussi une cause du constat qu'on a fait plus haut. Que Dieu nous soutienne, que Dieu facilite. Amen. Pasteur. Moi, j'aimerais insister sur l'ignorance. Ok. De la bonne gestion de la sexualité au niveau des jeunes. Du côté évangélique, en tout cas, c'est ce que je peux relever. Et c'est important pour nous, justement, d'éclairer les jeunes par rapport à la sexualité biblique. Et s'ils appréhendent cela, je pense que ça peut changer un peu leur comportement. L'imam a parlé de tabou. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à lutter contre ce silence-là qui cause beaucoup de dégâts, malheureusement, au niveau de certains jeunes. Mais je dois aussi ajouter la mauvaise gestion de la sexualité. Et au-delà de la sexualité, même sur le plan sociétal, nous voyons certains compartiments de la société où la mauvaise gestion rime. Mm-hmm. Sur le plan environnemental, sur le plan politique, même aujourd'hui, on voit combien la mauvaise gestion fait qu'il y a des situations un peu difficiles. Sur le plan nutritionnel, alors donc, il y a en tout cas mauvaise gestion quelque part. Et au niveau de la sexualité, c'est encore plus criard. Alors, d'où l'importance de telles émissions, et aussi pour attirer l'attention et des leaders et des jeunes, et que nous nous engageons vraiment à recentrer en tout cas certaines choses. On a parlé des valeurs, on a parlé des loisirs, certains jeunes qui pensent que sexualité égale loisir. Donc tout cela a besoin d'être discuté, et que nous puissions aider nos enfants, parce que ce sont nos enfants finalement, alors à pouvoir en tout cas adopter des comportements qui vont les aider
à être des futurs responsables qui vont vivre longtemps, parce que peut-être nous allons en parler plus tard, il y a des conséquences énormes, énormes, alors sur la société. Bien sûr. Merci bien. Maintenant aux jeunes, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui cause justement cette sexualité précoce de nos jours? L'abonné Arthur. Okay. Par rapport à ce que vous avez dit, je voulais ajouter que il y a également l'influence des chaînes, des médias télé, qui encouragent des jeunes. Pour quelqu'un qui est assis toute la journée devant la télé, à zapper sur les chaînes, il va tomber sur des scènes quand même qui vont l'encourager après à adopter un comportement sexuel qui n'est pas encourageant. Oui. Et ça fait que facilement, ils peuvent tomber dans des consentements en voulant... Le micro, oui. En voulant essayer. En voulant essayer aussi. C'est ça. Voilà. Ça peut amener à avoir des conséquences aussi. Merci. Merci bien, oui. Ok, merci. Moi, c'est Traoré Ariane. Ok. En rapport avec ce qu'il a dit, tout à l'heure, notre papa coutumier a parlé de pauvreté. Ça fait partie aussi des principales causes de cette sexualité précoce. Okay. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles s'adonnent à la sexualité en contrepartie d'argent. Il y a aussi l'éducation, que ce soit du côté parental comme scolaire. Il y a le manque d'information, on n'a pas la bonne information. Et c'est l'information des camarades les plus proches qui ne sont pas forcément avérés. Quand on prend et on écoute, et ça devient après des problèmes. D'accord, merci. Oui. Allez-y. Ok, bonjour à tous. Je me nomme Ganem Toré Urbain Gaston. Et pour, je pense que ce que je vais dire, c'est surtout ajouter. Hein. Voilà. Et un peu comme mes collègues l'avaient dit, mes précédents l'ont dit, je pense que la sexualité, c'est surtout les médias, même actuellement. Hein. Voilà. Les médias et les réseaux sociaux. Il y a des. Vous allez voir dans certains groupes, les groupes WhatsApp. À l'origine, WhatsApp était fait pour communiquer, rapprocher plus de gens. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des groupes WhatsApp qui sont créés où on vous propose, bon, disons, dans le groupe, c'est uniquement sexualité. Comment avoir, disons, des rapports sexuels, avoir une fille pour la soirée, des trucs comme cela. Vous allez m'excuser un peu du terme. Il y a des groupes où vous allez entendre des groupes du nom de « Fais-moi jouir », des trucs comme cela. Wow. Voilà. Qui sont maintenant répandus. Et dans ces groupes-là, les jeunes... arrive, c'est surtout sur invitation. Hein. Vous rentrez avec juste un lien d'invitation, vous cliquez, vous rentrez, vous participez à ces groupes-là. Et ici, là, dans ces groupes-là, vous apprenez déjà beaucoup de choses. Il n'y a pas de restriction d'âge dans ces groupes-là. Un enfant de 10 ans, de 15 ans, peu importe, peut participer juste avec le lien. Et il rentre, il apprend des trucs. Ajouter à cela, il y a quoi? Il y a les parents aussi. Moi, je pense qu'à la maison, beaucoup de parents pensent que l'éducation, là, surtout sexuelle, revient peut-être à l'enseignant ou bien au professeur. L'éducation même de manière générale, ils pensent que c'est les professeurs à l'école ou bien les enseignants qui doivent le faire. Alors que non, ça commence à la maison. C'est la cellule familiale qui est d'abord vraiment, disons, la base même de l'éducation, je pense. Bien sûr. Voilà. Et si à la maison, on n'éduque pas bien les enfants, on ne leur parle pas de la sexualité, c'est comme ce que papa l'avait dit, le chef l'avait dit, il faut vraiment, il y avait des tabous qui étaient là. Oui. Mais maintenant, avec l'évolution, il faut que ces tabous-là, qu'on puisse les dépasser et parler vraiment de la sexualité franchement aux enfants. On ne dit pas d'aller directement, mais on peut aller étape par étape. Vous allez voir certaines mères, comme parlant des médias surtout, vous allez voir certains parents qui, juste pour pouvoir occuper les enfants, vont leur mettre quelque chose à la télé, peu importe ce que c'est, pourvu que tu regardes et que tu me laisses faire mon travail. Mais ce n'est pas comme ça. Vous voyez un peu, bon, je pense que je ne vais pas trop monopoliser la parole. D'accord. Oui, pasteur veut réagir. Allez-y. Attention, le temps que le pasteur réagisse. Je voudrais relever deux points importants que le jeune là vient de soulever par rapport aux réseaux sociaux et les médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forte pression sur les jeunes. Oui. Ce que nous n'avons pas vu il y a 50 ans, il y a 40 ans, je ne sais pas comment j'aurais réagi aujourd'hui dans cette technologie qui est vraiment galopante. Néanmoins, je pense qu'au fil du débat, nous allons donner des conseils comment y faire face. D'accord. Mais j'aimerais souligner un autre point, c'est que il y a quelques années, pour montrer l'impact vraiment des médias sur notre jeunesse aujourd'hui. En 2004, par exemple,
tout ce qui est lié au sexe par les médias a rapporté près de 59 000 milliards de francs CFA. Je parle de 2004. Okay. Imaginons aujourd'hui tout ce que les médias proposent comme sexualité. Imaginez à quel chiffre nous pouvons être. C'est des sommes qui peuvent aider vraiment à bâtir notre pays aujourd'hui, peut-être une centaine de fois. Mais il y en a qui font des efforts, en tout cas pour pousser les gens à la sexualité. Et je pense que c'est un défi pour nous, qui sommes leaders, à pouvoir relever. S'il y a des gens à l'ombre qui travaillent pour pousser nos enfants à la sexualité, qu'est-ce que nous, effectivement, nous faisons pour amener nos enfants à adopter notre comportement? Alors, d'où l'importance, quand il a parlé des parents, c'est vrai, nous sommes confrontés souvent à certains réticences des parents parce qu'ils ne savent pas comment aborder le sujet avec les enfants. Oui. Ils ont peur qu'en entamant un débat, c'est comme s'ils veulent le pousser à l'intérieur. Donc, ils ne savent vraiment pas comment. Donc, nous proposons des petites astuces pour les amener à dialoguer avec les enfants. Par exemple, on parlait de télévision. Suite à une production de film, on peut discuter avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent de cela? Vous savez, moi, j'ai mon dernier enfant à 9 ans. Mm-hmm. Alors, on a beaucoup échangé par rapport, justement, à la télévision. On ne peut pas l'empêcher de suivre la télé. Mm-hmm. Nous l'avons conseillé. Écoute, s'il y a des images où il y a un homme et une femme qui s'embrassent, détourne-toi. C'est pas joli. Alors, oui. Donc, ça fait que il a compris ça. Donc, très souvent, quand tu suis la télé, quand il y a des scènes comme ça, il fait comme ça. Donc, une fois, un visiteur qui l'a demandé, mais pourquoi tu tournes ton regard? Il dit que ce n'est pas joli, que ce n'est pas bien. Donc, effectivement, ça commence à la base. Mais je vous garantis, même moi, en tant que leader, ce n'était pas évident d'en parler avec mes enfants au départ. Ce n'était pas évident. Mais avec, y a des processus qui peuvent, en tout cas, aider les parents à pouvoir entamer la conversation avec les enfants, les comprendre, en tout cas, et puis les aider. Parce que nous sommes les repères, en tout cas, les plus sûrs pour les enfants. Merci bien. D'accord. Avec votre permission. Oui. Réellement, vous avez touché du doigt un problème qui est très sensible. Et la responsabilité des parents dans l'éducation sexuelle. Effectivement, rare de parents, je dis rare de parents, essaient même d'aborder ce problème avec leur fille ou leur garçon. Pour les filles, peut-être c'est la maman. Pour le garçon, le papa, jusqu'à ce qu'il engrosse une fille et qu'il revienne. Voilà. Oui. Et il est là maintenant fier d'avoir commis l'acte. Le papa ne dit rien. Donc c'est un véritable problème. Mais il ne faut pas nous condamner non plus. Parce que, non, c'est vrai, nous ignorons beaucoup de la sexualité comme vous connaissez. Vous avez étudié, vous avez une connaissance plus profonde que nous sur cette sexualité-là même. Nous, c'est la pratique. Le début jusqu'à la fin, là, on ne connaît pas. Nous, les parents pratiquent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont enseigner à leurs enfants, sinon? Et leur dire, fais attention, tu es devenue une fille. Dès les premières règles, attention, maman va dire non, comment se comporter, parce que tu es devenue femme, il ne faut pas faire. Voici notre éducation, ça s'arrête là. Décrire l'anatomie du stress de l'enfant, on ne peut pas. Comment on fait pour tomber en grossesse, on ne sait même pas. Donc, souvent, c'est par l'ignorance que nous taisons. Et ce silence-là devient un silence coupable. Autrement dit, on veut vous aider. Oui. Mais comment faire? Et aujourd'hui, nous, les parents, même, nous sommes dépassés. La vitesse à laquelle la jeunesse vit là, nous on ne peut pas suivre ce rythme. Voilà, on ne peut pas suivre ce rythme. Si bien que les informations que vous avez là, à la seconde près, vous ouvrez votre portable ou bien votre chose, vous avez cette information. Nous n'avons pas ça. Et quand on vient à la maison maintenant pour bien se comporter ou mal se comporter, le parent réagit. À notre temps là-bas, on ne faisait pas ça. Mais ce n'est pas notre temps. C'est le temps des jeunes. Donc, il faut qu'on vous accompagne. Il faut que vous aussi, vous essayez de nous comprendre. Oui. Voilà. Merci bien. Alors, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Bon. OK. Bon, on va leur demander, comme Naval a dit, de nous aider à les aider. OK. Parce que voilà, je veux partiellement conclure ça comme ça. D'accord. Parce que vous connaissez trop de choses. Nous, notre limite, là, c'est, je me rappelle, j'ai un élève de terminale
qui vit avec moi. Je vois une fille qui vient, bon, avec une jupe qui parle beaucoup, selon nous, notre jargon, quoi. Qui parle beaucoup. Oui, la jupe, la parle beaucoup. Et il y a un dispositif, quand on le met, c'est à la limite, si on ne te dit pas, passons à table, quoi. Oh là là. Donc, moi, j'ai vu ça, bon. Donc, comme il a dit, c'est difficile, hein, bien inséré dans la société, mais j'ai eu de la peine, j'étais obligé de l'appeler, dire, bon, à partir de maintenant, là, si la fille là, vient là, c'est vous dehors causer. Le moins normal que je puisse faire. Donc, c'est dit que. Parce que vous imaginez les conséquences. Et ça va arriver. Et ça va arriver. Vu que la jupe parle déjà. Voilà. Puisqu'elle ne rentre pas avec l'intention, l'autre ne la reçoit pas avec l'intention. Mais à la faveur de. Tu as vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quoi, là. C'est dans ça, ça va amener ce qu'on n'a pas prévu. C'est dommage, c'est que je vais dire. J'ai vu une fille qui est tombée enceinte. Quand je lui ai demandé comment ça arrive, elle dit ce qui l'a fait mal dans ça. C'est que le monsieur ne l'a jamais même dit je t'aime. Jusqu'à aujourd'hui, c'est juste. C'est dire que c'est des occasions qui. C'est des opportunités. Oui. Mais c'est passager, c'est bref et le dégât, il est là. Je pense que quand on va aborder les conséquences, on parlera un peu de ça aussi. Merci. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Alors, Mika, avant qu'on aborde les conséquences, j'aimerais quand même rebondir sur un sujet. C'est vrai que c'est venu. C'est, oui, vous pouvez garder le micro. C'est revenu en écoutant les leaders religieux et coutumiers, en écoutant les jeunes aussi. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous avez dit aidez-nous à vous aider et tout. Mais quand même, il faut reconnaître que le sujet sexualité est un tabou aujourd'hui dans les familles. Même, vous avez parlé tantôt donc, du simple fait d'expliquer à la jeune fille qu'après tes premières menstrues et autres, il faut faire attention. Même ce petit débat-là, il y a des mères qui ne sont pas capables de l'avoir aujourd'hui avec leur fille. Et les papas, je n'en parle pas, parce que les papas, rares sont ces papas-là qui discutent avec leurs jeunes garçons pour, sur la sexualité et autres. En famille, on n'en parle pas. Excusez-nous, mais même au sein donc des églises, des mosquées, au sein donc de l'arbre à palabre, c'est des sujets qu'on évite, c'est des sujets qu'on n'aborde pas. Je vois mal peut-être un imam ou un pasteur devant ses fidèles qui dit la sexualité c'est juste cela, cela, donc faites ceci. Non, on pense plus au fait de mariez-vous, il faut d'abord faire ceci, cela avant de. Pourquoi ne pas aujourd'hui sensibiliser au sein des lieux de culte, sensibiliser sur la sexualité? Et amener les parents aussi dès l'enfance, dès la maison, dès la cellule familiale à sensibiliser les jeunes. Et vous aussi, vous allez prendre le relais au niveau donc, de vos lieux de culte. Pourquoi on ne décide pas de faire ça? Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wassalam tasliman kassira. Effectivement, la question que vous évoquez, elle est très très centrale. Je sais que la dernière fois, on a réuni des leaders musulmans. Et le sujet est revenu. Unanimement, les gens ont adopté désormais d'en parler. Mais la question qui nous est revenue en tant que formateurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le contenu a changé. Oui, chacun voit la pertinence et l'importance du parler. C'est quoi il faut dire? Donc nous, on était obligés de leur dire. Il n'est pas question d'aller démontrer aux enfants comment est-ce qu'il faut aller quand on est homme avec femme et vice-versa. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous, on a pensé qu'il faut que on les mette, c'est la méthode de clarification des valeurs. Okay. Tu suis ça, voilà, 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 même l'honneur de ta famille en dépend. Quand tu abandonnes ça, toi-même ta vie sera foutue, et voilà, 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 voilà. Donc c'est dit que le constat que vous avez fait, il est vraiment réel. Mais chacun se doit, puisque quand le problème, quand on ne le fait pas, et le problème arrive, nous, on s'assume, on gère les conséquences. Je pense qu'il faut affronter la chose. Et l'Afrique traditionnelle, toutes les religions révélées ont trouvé l'Afrique déjà avec un code moral bien scellé. Ça fait que le message n'a pas pu pénétrer. Sinon, ce n'est pas à l'origine les religions qui n'ont pas permis qu'on en parle. Une dame est venue au temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a dit au prophète, paix et salut sur lui, que j'ai vu mes menstrues. Mais et normalement, le temps est dépassé et le sang continue de couler. Okay. Là, c'est un prophète de Dieu qu'on parle comme ça. Il dit, et si c'est comme ça, ce n'est plus des menstrues. Alors va, fais ta toilette et commence à prier. Madame revient dire au prophète, paix et salut sur lui, que je me suis lavé, mais l'écoulement continue. Il dit, si c'est comme ça, gagne quelque chose. Et puis, te protéger pour que le sang ne touche pas les vêtements. La dame a osé même demander au prophète, comment dois-je mettre? Et certains textes, on nous ont dit que le prophète allait jusqu'à lui montrer,
comment est-ce que elle pourra mettre cet élément. C'est pour montrer que c'est profond, mais la difficulté avec laquelle on va conduire ce cheminement-là. Et si c'est de la pudeur, qu'on sache que face à certaines situations, on est obligé, certains silences, au nom du fait que c'est de la pudeur, c'est souvent suicidaire. On va transcender ça pour pouvoir donner certains messages, parce que ça y va de l'intérêt de tous. Donc, que Dieu vraiment nous soutienne, que Dieu nous aide. Parce, oui, vous voulez ajouter? Oui, pour nous, c'est les cours royales et puis la sensibilisation au niveau des coutumiers. Oui. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde doit être sensibilisé. On a remarqué effectivement que le sexe est tabou dans nos familles. On n'en parle pas. Mais tous ceux qui sont éclairés un peu, ils sont sensibilisés, effectivement invitent leur père à revoir la donne. On ne peut pas donner un cours de sexualité dans la famille, mais on peut récupérer certaines choses pour en parler. C'est-à-dire, lorsque une fille tombe en grossesse et c'est dans le quartier, le papa peut récupérer. Il faut dire, voilà, la fille de mon voisin est tombée en grossesse. C'est un garçon et une fille qui ont fait cette affaire-là. Et amener l'enfant ou la fille à réfléchir sur les conséquences. C'est surtout sur les conséquences. Sinon, si c'est un acte sans conséquence, il y a moins de problèmes. Oui. Mais en général, l'acte amène beaucoup de conséquences et les parents sont souvent déçus. Dans la tradition, une fille qui tombait en grossesse, carrément, elle était bannie de la famille. Elle ne pouvait même pas. C'est pas dans la famille même qu'elle va accoucher. Elle va aller accoucher quelque part. Peut-être même pour réintégrer la famille, c'est une autre procédure. Oui. Mais aujourd'hui, elle accouche demain. après demain, elle est chez son papa. Oui. On fait comment? Et la société maintenant tolère ça. Si bien que les coutumiers sont broyés. On ne peut pas résister. Nous essayons seulement d'avancer. Mais les effets là, qui nous tapent là, on ne peut plus être comme avant. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, où la fille ne tombait pas. Elle était sexuellement active, mais elle ne tombait pas en grossesse. Pourquoi maintenant c'est des grossesses dans la rue? Voilà notre problème. Je voudrais souligner qu'au niveau des évangéliques, un effort a été fait depuis quelques années par rapport à ce tabou-là qu'on est en train de lever petit à petit. Et donc, on a dû conceptionner des documents, des outils, tout d'abord pour former les leaders, pour qu'ils puissent à leur tour impacter leur communauté. Et même que dans nos centres de formation biblique pastorale, un curriculum dédié à cela. Et aussi, nous faisons des sensibilisations dans les églises, avec les parents. Personnellement, c'est une de mes vocations, et je peux dire que j'ai sillonné le Burkina Faso peut-être 5 ou 6 fois pour former les pasteurs, sensibiliser, et aussi nous produisons des émissions télévisuelles pour les jeunes. Donc, nous faisons un effort. Et au niveau des familles, des parents aussi, quand même, nous les formons à travers la sensibilisation et nous les donnons quand même certaines astuces, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'ils puissent en tout cas entamer déjà la question là, avec leur progéniture. Donc, un travail est fait. Okay. Mais ça reste toujours à améliorer, ça reste toujours à perfectionner. Et comme Naba a dit tout de suite, les choses changent rapidement. Et donc, il faut que nous-mêmes, on soit à la page pour mieux répondre aux besoins des jeunes. Merci bien, pasteur. Mika, okay. Il y a quelqu'un qui demande la parole, toujours sur le même sujet. Okay. Ok, allez-y avant. Allez-y, d'accord. Oui, il avait la parole. Ok, donc, je vais revenir un peu sur quelque chose que vous avez dit qui est très important. C'est l'évolution rapide du monde. Moi, je me dis, bien vrai que il y a les réseaux sociaux qui impactent les jeunes, la psychologie des jeunes sur la santé sexuelle. Il faudrait que les parents aussi, bien vrai, avec l'effort que vous faites, vous mettez aussi à la page.
voilà, avec cette rapidité. Puisque on a eu à faire une sortie de sensibilisation sur le terrain où les jeunes même posaient assez de questions sur la santé sexuelle. Mais il y a un papa de loin qui dit que, hé, toi jeune qui a arrêté là-bas là, bon, je ne savais pas que c'était moi, et toi jeune Claire là-bas là, tu es venu pour gâter mon fils ici ou bien? Ah, j'ai dit papa, monsieur a approché gentiment, mais j'ai failli avoir une claque. Je me suis tranquillement récupéré. Et parce qu'il n'était pas prêt à aborder le sujet avec vous. Et il n'était pas prêt à voir que les jeunes du quartier sont sortis pour en discuter. Parce que quand vous sortez dans les quartiers, les jeunes aiment causer de ça. C'est pour dire quoi? C'est un sujet qui est d'actualité. Est-ce que vous voyez? Donc, plus vous causez avec ces jeunes, plus ils prennent de la conscience. Mais plus nous on cause, plus certains parents viennent à l'encontre de ça. Bon, on ne sait pas comment y arriver. C'est ça. Donc, je pense bien qu'il faudrait multiplier plus vos approches près de vos pères parents, afin que nous aussi, les jeunes, nous puissions avoir des informations et des très bonnes informations surtout. Merci pour l'ajout. Oui. Merci. Je voulais rebondir un peu sur ce que le papa lui a dit. En fait, on aura beau sensibiliser les parents, on aura beau les dire de parler de sexualité avec les enfants, tant que les parents ne sont pas formés, ça sera difficile. On peut la voir, oui. Ok. Tant que les parents ne seront pas formés, ça sera difficile. Oui. Parce que ils peuvent vouloir sensibiliser, mais ils ne savent pas quoi dire, en fait, aux enfants. Je reviens sur les règles. Quand tu as tes premières règles, ce que ta maman va te dire, c'est quoi? Attention, si un garçon te touche, tu tombes enceinte. C'est ça, c'est ce que nos mamans nous ont dit. Tout simplement. Tout simplement. Et ça, c'est pas une chance, c'est pas des conseils qu'elles nous donnent. En fait, elles nous mettent quelque chose dans la mentalité, et puis on est obligé d'aller chercher ailleurs. Et c'est en allant chercher ailleurs maintenant qu'on part chercher les problèmes. C'est ça. Donc, parce qu'on part discuter avec les copines. Voilà, on part discuter avec les copines. On va sur Internet, on fait des recherches. Et voilà les conséquences. Grossesse non désirée et autre chose. Moi, c'est Tindre Pego Aguna. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que les parents font des efforts, mais les parents n'abordent pas le sujet en profondeur. C'est superficiel. Avec les heures de sortie limitées, ils font des efforts pour dire, bon, vous sortez à telle heure, vous rentrez à telle heure, bon, limiter les causeries, tout ça. Mais ils n'abordent pas le sujet en profondeur. Ce qui fait que nous aussi, bon, sont nos camarades, ils nous donnent les informations. Et comme les parents ne parlent pas de ça, c'est pour eux qu'on prend. Et voilà maintenant, ce qui arrive sont les conséquences. D'accord. J'aimerais aussi ajouter que ce n'est pas forcément que le parent donne l'information. Il peut peut-être guider son enfant vers un centre d'écoute plus jeune. Okay. Le jeune pourra avoir des informations. Si je sais que je suis parent, je n'arrive pas à avoir la bonne information pour mon enfant ou je n'arrive pas à trouver les bonnes approches. C'est une solution. Donc c'est compliqué en fait. Alors qu'il y a une solution très très simple. Je ramène mon petit. Le micro, Tu dis, bon, mon petit, aujourd'hui on part au centre d'écoute plus jeune. Je te laisse seul avec l'infirmier ou l'infirmière ou encore l'agent du centre d'écoute plus jeune. Oui. Et bon, celui-là, ce jeune-là, au sortir de ce centre d'écoute plus jeune, il sera apte à suivre les conseils du papa. Parce que je sais que moi, quand je venais à Ouagadougou pour mes études, c'est arrivé à la gare que le papa m'a dit, bon, tu sais, là où tu pars, là, tu seras seul. Donc, faut te protéger. C'est ce qu'il m'a dit, en fait. Et là, ça m'a touché. Parce que depuis 17 ans que je suis avec lui, je n'avais jamais abordé ce sujet. Oui. Donc, pour des parents qui ont des enfants qui ont l'âge entre 14 et 13 ans, moi, c'était sexuellement actif. S'il n'a pas eu ce mécanisme de canalisation, ça sera compliqué. Oui, le micro, et bien on va parler un peu fort pour permettre. J'ai fini. Oui, d'accord, merci bien. Alors, je rappelle que nous sommes à une émission spéciale, justement, émission initiée par l'Union des religieux et coutumiers du Burkina Faso, en collaboration, bien sûr, avec Billy Naonaon et puis Savan Media. Vous nous écoutez sur la radio Savan FM et vous nous suivez sur Savan TV également. Nous avons des invités sur ce plateau, imam, pasteur, et puis bien sûr notre chef traditionnel. Et puis pourquoi animer cette émission? Je suis avec Mikaïlo Ouedraogo. Alors Mika, je te laisse pour la suite. Ok, merci bien Abzeta.
Donc, pour reprendre les propos des jeunes, mm-hmm. comme les parents refusent de parler de sexualité avec moi, oui. alors ils sont obligés de me référer à mes amis pour m'informer mm-hmm. ou encore d'aller sur les réseaux sociaux pour m'informer. Alors qu'il n'est pas évident que je puisse avoir la bonne information à travers ces canaux-là. Sure. Donc, entre autres éléments que nous retenons, mm-hmm. ce qui justifie la sexualité précoce chez les jeunes, c'est surtout l'ignorance, surtout le manque de dialogue entre parents et enfants et aussi le manque d'éducation à la sexualité. Encore, pour reprendre les propos de l'imam, mm-hmm. qui disait que certains silences, au nom du fait que c'est de la pudeur, est suicidaire. Donc, je retiens qu'il est important vraiment de briser les tabous, voilà, et de trouver en tout cas les solutions possibles pour parler de la sexualité aux jeunes, pour leur donner les bonnes informations, afin qu'ils puissent être responsables. Donc, parlant de cela, je voudrais poser la question, quels sont les dangers lorsque la sexualité est mal gérée chez le jeune? Oui. Alors, on va... Oui, pasteur, allez-y. Bien, lorsque la sexualité est mal gérée, il peut avoir d'énormes conséquences. Oui. Il y en a qui sont évidentes et il y en a qui ne le sont pas. Celles qui sont évidentes, c'est tout d'abord les IST. Ensuite, il y a le VIH-SIDA. Et en tant que responsable d'une association qui œuvre dans le domaine des SIDA, je dois dire que j'ai à mon sein une vingtaine de jeunes qui sont infectés. Oh. Une bonne dizaine d'adolescents qui sont infectés. Et donc, je suis très affecté par cela. Donc, c'est ça qui fait que, justement, nous parlons beaucoup aussi de ces questions-là. Et nous les aidons, comme le monsieur a proposé, que même si les parents n'ont pas les moyens pour aider les enfants, les référer aux structures adaptées, c'est ce que nous faisons de temps en temps, surtout avec les parents. Et donc, quand vous êtes avec des jeunes, des ados qui ont le VIH, qui sont là, et vous savez que leur avenir peut être compromis, vous avez la chair de poule. Et donc... ça, c'est une conséquence. Il y a aussi les mauvais résultats scolaires, l'abandon des études, carrément pour certains, surtout les filles. Il y a la disharmonie aussi dans la famille. Comme le Nava disait, si par exemple il y a une grossesse qui intervient, alors ça crée un problème au niveau de la famille biologique ou bien même la grande famille. Et j'ai rencontré aussi certaines jeunes filles qui ont avorté suite à une grossesse, il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui ont perdu la vie. Et il y en a certaines filles présentement qui sont mariées, qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce que justement ce sont les conséquences, les séquelles suite aux avortements ou post-avortements. Donc, il y a beaucoup de conséquences liées vraiment à la sexualité mal gérée. Et nous encourageons vraiment les jeunes à être très vigilants. Très vigilants, tout ce qui brille n'est pas or. Malheureusement, c'est ça. Beaucoup de jeunes voient le mirage. Et quand ils arrivent à la place indiquée, ils se rendent compte qu'en réalité, ils ont été utilisés, ils ont été trompés alors par leur partenaire. Donc, il y a en tout cas beaucoup d'autres conséquences et je vais permettre aussi à mes collègues de pouvoir citer aussi. D'accord. Pasteur a donné la grande partie des conséquences, mais il en reste quelques-unes. On en a parlé, on reviendra là-dessus, on insistera parce que c'est un problème réel, les grossesses non désirées en milieu scolaire surtout. Ça pose problème dans nos lycées et collèges. Et vous voyez toutes les conséquences quand une élève est en grossesse. Le pasteur a dit il y aura un abandon, il y aura des mauvais résultats et provoquer l'avortement même, c'est assez sûr parce que les parents vont la réprimer à la maison. Et si l'auteur de la grossesse ne veut pas assumer, ça causera un grand problème. Et si cette même fille accouche, comme elle est jeune, si elle n'a pas 20 ans et quelques ou 18 ans et quelques, vous voyez qu'elle risque d'avoir un accouchement très très difficile. Et ça peut encore détruire tout ce qu'elle a dans son corps comme intimité. En plus de cela, vous avez les fistules. Ça, c'est dû à ça, aux grossesses précoces.
que les filles prennent, et puis bon, ça devient compliqué après. Et là, c'est une maladie honteuse, parce que la femme perd les filles perdent ses urines. Oui. Et bon, faut plusieurs opérations pour la récupérer. Si encore, c'est récupérable. Ça peut amener même au suicide. Et cette femme-là, même si elle est mariée, elle va quitter parce que la famille de son mari ne pourra pas la supporter. Mm-hmm. Il y aura une déviation et puis bon, des conséquences très graves. Ensuite, il y a le mariage forcé. Les parents ne veulent pas marier forcément leurs enfants. Mais si tu as une grossesse, les parents disent en général, « Haya, comme tu es tombé en grossesse, il faut rejoindre le monsieur. » Elle n'a pas l'âge de se marier. On la renvoie. Est-ce que le monsieur même veut? On n'en sait pas. Oui. Pourvu qu'elle accouche. Et puis c'est un multiple de problèmes qu'elle crée comme ça. Bien sûr. Ensuite, si l'enfant naît, non seulement le monsieur peut-être peut ne pas avoir une situation stable, il est chez ses parents, il envoie une femme ou une fille en grossesse, il va accoucher. Voilà les charges familiales qui s'agrandissent. Ça devient très lourd pour le papa. Et si le papa décide de soutenir son enfant jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Si à un moment donné, l'enfant craque, il dit non, vas-y, rejoins tes parents, je ne savais pas que tu étais comme ça, et puis c'est devenu des problèmes, toi tu vas repartir en famille. Tu vas encore aller donner une chaleur à tes parents. Bien sûr. Et pire encore, vous restez chez les parents, vous mettez 2-3 enfants au monde encore. Le papa va dire quoi? C'est des problèmes sociaux qu'on trouve. Il y a encore les violences. Toutes les violences faites aux femmes. Si vous vous hasardez à tomber une grossesse ou bien vous vous hasardez, je ne sais comment, à avoir des relations très précoces, oui, et vous allez chez l'homme, c'est à tout moment qu'il va vous utiliser. Quand ses désirs viennent seulement, lève-toi et puis bon, est-ce que la femme veut? Ne demande pas à la fille si tu es consentante. On te fait une violence sexuelle et puis tu peux rien dire. Je vais laisser Imam s'il a quelque chose. D'accord. Voilà. Ok. Donc, en plus de tout ce qu'ils ont cité, il y a un autre volet. Si la sexualité est mal gérée, il y aura beaucoup de cas d'inceste. De plus en plus, les cas d'inceste vont beaucoup se multiplier. Et parmi les éléments dont on parlait, par rapport à quoi dire même par rapport à la sexualité, il faut dire même dans la légalité qui est-ce qu'on doit aller avec. Oui. Voilà, il y a tous ces aspects qui seront bafoués et quand vraiment la sexualité n'est pas bien gérée. Donc, en plus de tout ce qu'ils ont dit, voilà, c'est qu'il y a la multiplication des cas d'inceste de plus en plus. D'accord. Ils pourront aussi avoir un nombre inquiétant dans la cité. Merci bien, merci à nos leaders. Les jeunes veulent réagir par rapport aux conséquences. Oui. D'accord, le micro est comme déjà comme conséquence, moi je peux noter la stigmatisation. Parce que la jeune fille qui tombe enceinte sera stigmatisée, ses amis vont la mettre de côté. Il y a également l'abandon des enfants. Quand elle mettra au monde l'enfant qui lui a causé tant de peine, elle risque de ne pas s'attacher à cet enfant et elle va finir par l'abandonner dans la rue, ce qui augmente le taux d'enfants de rue. Il y a aussi la mort. Et comme conséquence, on peut aussi ajouter au niveau des mariages forcés. Le mari, celui avec qui on l'a forcé à se marier, le monsieur peut la maltraiter ou même la tuer parce que, à cause d'elle, elle a brisé beaucoup de ses rêves. Oui. Voilà. Parce que c'est vrai aussi, hein, quand on parle de sexualité précoce, elle a souligné un point important. Souvent aussi, c'est le mariage précoce conduit logiquement à la sexualité précoce. Si vous mariez un enfant à 13 ans, à 14 ans, voici une sexualité précoce qui, en même temps, même si c'est dans la légalité du mariage, on va lui dire quand même il y a une sexualité précoce aussi. Oui, pour ajouter. Comme autre conséquence, il ne faut pas oublier qu'une sexualité mal gérée, les conséquences, ce n'est pas seulement les grossesses non désirées. Il y a également les maladies sexuellement transmissibles. Bien sûr, comme l'a souligné le pasteur tout à l'heure. Voilà, il y en a tellement. Et nous devons bien gérer notre sexualité. Merci. On va aller rapidement.
Et moi, c'est Jocelyne Compaoré. Et comme conséquence, en première position, voulais signaler les maladies d'abord. Et ensuite, il y a les problèmes physiques, comme l'imam a dit, les fissures, les autres. Et puis, il y a les problèmes psychologiques et moraux, surtout l'abandon de les critiques de ses amis. Et puis, il y a la honte également qui peut conduire à des suicides. Et puis, souvent, il y a l'abandon de l'enfant ou bien l'avortement qui peut même causer la mort de la maman également. Et puis, au sein même de la famille, bon, et si l'enfant est tombé enceinte, et puis voilà, la maman et puis les parents, souvent, il y a la mésentente qui règne et puis ça cause souvent des problèmes. Oui. Et je sais que c'est pas Naba qui dira le contraire. Hein. Avant, on voyait quand même certaines mères qui sont bannies de la famille en même temps que l'enfant, n'est-ce pas? Parce que l'enfant est tombé enceinte, on se dit que la maman est au courant automatiquement. Et souvent, la mère même se voit chassée de son foyer en même temps que son enfant. Ça arrive. Oui, ça arrivait. Oui, ça arrivait. Heureusement que ça arrive. Ça a diminué maintenant. Ça a sinon, diminué, ça arrivait. Ça arrivait. D'accord. Si bien que. Le micro, chef. Oui, si bien que. La première ou le premier responsable d'une fille dans la famille, c'est la maman. Oui. Quand il y a un problème, le papa se retourne contre la maman. Parce que quand la fille sort, elle découche, souvent les mamans sont complices. Et quand il y a un problème, le papa ne fait que s'en prendre à la maman. Mais, ça dit souvent la maman aussi est souvent dépassée. Aujourd'hui, on trouve des filles qui ne dorment plus avec leur maman, avec leurs parents. On ne peut plus les surveiller. Parce que maintenant, il y a des chambres à part. Voilà, il y a des chambres à part. Elles sortent, elles posent un bois, elles prennent la couverture, elles courent. Tu penses que c'est ta fille qui est couchée, alors que c'est un bois. Oui. Donc, c'est vrai. C'est des moyens pour sortir. Donc, vous voyez, tout ça là. Mais aujourd'hui, on comprend nos mamans. Okay. Et on essaie maintenant, quand ça arrive, on essaie de discuter pour trouver une autre solution. Et je voulais revenir sur l'encadrement des relations sexuelles dans le temps. Vous savez que c'était encadré. Il y a des ethnies où réellement, ce que l'imam parle là, entre cousins et cousines, ça passe. Ça, c'est pas un problème. Même dans le mariage, il y a des ethnies. Par exemple, chez les Peuls, c'est les cousins et les cousines qu'on marie. Mais il y a des ethnies aussi qui ne tolèrent pas ça. Quand vous attrapez votre cousine, soyez sûr que vous serez banni de la famille. Ou bien vous attrapez une fille destinée à notre famille, vous êtes devenu un grand rival. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de conséquences. Pire encore, si on vous prend la main dans le sac, c'est très très dangereux. Il n'est pas permis à n'importe qui, à n'importe comment, d'aller avec une fille ou avec un garçon qu'on aime. Même les fiançailles, quand vous arrivez devant les vieux, on va demander d'où vient votre fiancé, de quelle famille il est. S'il y a des interdits, on va vous dire, on ne peut pas. Donc, il faut faire attention. Merci bien. On va accélérer, Mika, parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes. Alors, pour la suite, justement, on va parler de l'enseignement, de l'éducation complète maintenant, à la sexualité à l'école. Parce qu'à l'école aussi, quand même, il y a une éducation sexuelle qui est distillée à ces élèves-là, déjà à l'école primaire, ensuite au secondaire aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette éducation complète-là donnée à l'école? L'éducation complète à l'école, je pense que c'est un savoir que les enfants doivent avoir, c'est obligé. Parce que le monde, comme on a dit, le sexe c'était tabou. Quand un professeur ou un maître d'école, dans le temps, parlait de ça, il y a des parents même qui venaient faire des histoires. Pourquoi on parle de la sexualité à nos enfants? C'est la dépravation, c'est le corps, quoi. Mais maintenant, les parents ont compris. Il y a une importance. Il y a beaucoup de femmes, même, beaucoup de filles même, intellectuelles qui ne connaissent même pas leur corps. C'est dangereux. Et souvent même, on tombe dans le piège de grossesse précoce ou bien de grossesse non désirée parce qu'on ne se connaît pas. Moi, pour moi, je pense que l'éducation dans les écoles n'a pas dit de pratiquer.
Mais il faut connaître, il faut avoir un savoir pour pouvoir mieux vivre. Et, d'accord. Et mieux se comporter, le savoir-être. Mm-hmm. Le savoir-faire dans la vie, c'est autre chose. C'est dans ce sens que moi je trouve que c'est assez intéressant. Oui, allez-y, votre avis, pasteur, à l'école, l'éducation sexuelle donnée à l'école. Mais moi je pense que l'État a, a le devoir, en tout cas, au travers des mécanismes qu'il a mis en place pour l'éducation de nos enfants, d'assumer sa responsabilité. Mais nous, nous insistons sur l'éducation religieuse des enfants. Oui. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore bien appréhendé tout le contenu qui est donné aux enfants au niveau des écoles. Peut-être que c'est l'occasion pour moi de le faire les jours à venir. Voilà. Mais nous, nous insistons en tout cas sur l'éducation religieuse des enfants, dès le bas âge jusqu'à l'âge adulte. D'accord. Imam, doit-on continuer cette éducation complète à l'école ou ajouter, améliorer les choses? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je pense que déjà qu'à l'école, on essaie de donner quelque chose. Peut-être que les parents ne doivent pas considérer ça en tant que religieux comme tellement complet que ces choses. Puisque l'islam exhorte à la quête du savoir. Et le prophète Mohammed, paix à lui, dit que la sagesse est la chose perdue du croyant ou du musulman. Partout où il la retrouve, peu importe entre les mains de qui, il faut se l'approprier. Donc donner déjà un programme à l'école dans ce sens qui est même un grand problème pour nous. Je pense que c'est déjà un truc qu'il faut beaucoup encourager. Maintenant, à tous ceux qui penseraient que ce n'est pas normal qu'on donne aux enfants, non. Oui. Et on peut donner une information à une personne, mais qu'est-ce que je fais de l'information? Ça, c'est mon éthique à moi qui doit pouvoir m'orienter par rapport à ça. Donc, d'emblée, ne pas donner l'information, moi, je pense que ce n'est pas bienvenu. Autrement dit, nous, les parents, comme Pasteur l'a dit, c'est intéressant que déjà, en tant que parent, en tant que leader communautaire, là, qu'on s'approprie ces contenus-là pour voir ce que, en plus de ça, nous aussi, on va donner en famille et pour vraiment que ça soit un truc de parachevé, quoi. Merci bien, Imam. Et deux jeunes, peut-être, est-ce que vous pensez... Oui. Okay. Oui, est-ce que vous pensez que l'éducation enseignée, l'éducation sexuelle bien sûr, enseignée à l'école, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, pour ma part, je pense que c'est très important vraiment, voilà. Surtout avec l'évolution maintenant du siècle, hein. Il faut vraiment qu'on commence à enseigner vraiment dans le milieu scolaire. D'accord. Et je pense qu'il y a même déjà des parents qui pensent que c'est surtout l'école, c'est surtout à l'école d'enseigner cela aux enfants. Parce que je me souviens que nous sommes sortis pour une sensibilisation, on est sortis causer avec les parents. Et lorsqu'on a parlé de santé sexuelle et leur demandé s'ils parlaient de ça aux enfants à la maison, la dame nous a demandé, mais je pensais que c'était l'école, c'était les enseignants qui s'occupaient de ça. Et comment vous nous demandez ça? Comment est-ce que nous allons pouvoir en parler à la maison? C'est l'école qui doit faire ça, au fait. Elle pense déjà que c'est à l'école. Uniquement même que si ça appartient. À l'école, on le fait déjà. Voilà. Au moins dans la famille, il faut à la maison aussi. Okay. Donc, l'école le fait, mais il faut aussi à la maison. Et je pense qu'il faudrait aussi un peu pousser aussi les choses. Mm-hmm. Je pense, quand j'étais au primaire, quand nous étions au primaire, hein, c'est surtout périculture qui parlait surtout de ça. Mm-hmm. Je me demande même si c'est toujours effectif, la périculture là-bas à l'école. Bien sûr. Il y a déjà ça. Même si, bien sûr, on n'a pas, c'est pas un temps... disons, le volume horaire n'est pas suffisant pour enseigner beaucoup de choses quand même. C'est toujours enseigné à l'école, exactement. À l'école primaire. Au secondaire aussi, ça dépend des écoles aussi, souvent. C'est vrai qu'en sciences, on parle de ça, mais il y a des écoles qui ajoutent des matières comme ESF, donc apprendre l'enfant à vivre dans sa famille, autre. Il y a des écoles qui ont ces ajouts-là aussi, qui apprennent, qui ont des matières spécifiques à la sexualité. Mais il y a des écoles, c'est seulement en sciences que vous apprenez donc ces choses. Mais c'est carrément pas quand même une matière donnée pour que l'enseignant puisse avoir assez de temps pour dispenser ce cours. C'est un cours dans un cours, en fait. Voilà. Donc, peut-être que ça sera une des solutions aussi, enseigner plus la sexualité. Pourquoi pas faire de telle sorte que, un professeur ait un temps donné pour venir par semaine dispenser des cours à des élèves. Ça peut arriver. Oui. D'accord. J'aimerais aussi rapidement ajouter, surtout, la collaboration aussi des lycées, des écoles aussi, avec les structures qui sont déjà en place. Bien et sûr. Qui militent dans le milieu de la santé sexuelle et de la reproduction. Voilà. Même si le professeur n'est pas bien outillé pour passer la formation, on peut toujours faire appel à un centre de santé, à une structure jeune,
qui puisse venir. Et surtout, vous savez, entre les jeunes, l'information passe plus facilement. On a des termes jeunes et on discute, on est à l'aise, ça va. Oui, c'est aussi une des solutions que vous proposez. Voilà. On va venir aux solutions, mais permettez-nous quand même d'aborder un point avec Michael, oui, pour la suite. Ok, je retiens qu'il est important d'avoir le savoir pour pouvoir mieux vivre, pour reprendre les propos de Naba. Donc, il est vraiment important, voilà, et de passer à l'échelle par rapport à la question de l'éducation complète à la sexualité pour permettre aux jeunes d'avoir la bonne information pour pouvoir être des citoyens responsables. Maintenant, au vu de toutes les conséquences que nous avons notées par rapport à la sexualité précoce des jeunes et les questions de grossesse non désirée, les questions d'avortement, et voire même la mort et autres, et qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'utilisation des méthodes modernes de contraception par les jeunes? C'est compliqué. Notre vision. D'abord, approcher le micro. Oui. Notre vision et notre position par rapport à ce problème, elle est claire. Moi particulièrement, je ne sais pas pourquoi une jeune fille va entrer dans les méthodes. Parce que c'est pour être excellé en sexualité ou bien c'est pour apprendre. Je dis ça, j'ai des difficultés pour dire de ne pas aller vers les contraceptions, mais une aussi facilité. Parce que je me dis, quand tu es une jeune fille, tu n'es pas mariée, tu utilises des pilules, des non-plans, de quoi? C'est pour faire quoi? Pour éviter les conséquences. Hein? Quelles conséquences? Si c'est pour éviter les grossesses, oui. Seulement, il y a le sida qui est à côté, il y a l'hépatite B qui est à côté, qui tue. Il y a les IST qui sont là. Donc, ces conceptifs, ces méthodes-là n'empêchent pas ces maladies. Donc, moi, je ne conseillerais pas à une jeune fille d'aller vers ces méthodes. Je conseillerais à la fille de s'abstenir. C'est pas de la nourriture. En réalité, c'est un plaisir. On peut se priver. Comme de plaisir, on se prive pour être des hommes. Et les parents, on envoie nos enfants à l'école pour revenir avec des diplômes. C'est pas pour revenir avec des enfants. Ou aller apprendre la sexualité. D'accord. Donc, c'est dans ce sens-là, je dis que nous ne sommes pas d'accord. D'accord. Ils ne sont pas d'accord. Sur cette question, il y a toujours des problèmes entre nous et puis beaucoup de personnes. Mais vous savez, nous ne parlons pas à notre propre nom. Nous parlons comme de communauté religieuse et nous parlons de Dieu dans cette affaire-là. Au niveau des évangéliques, oui, pour le couple marié, pour la contraception. Okay. Pour les célibataires, c'est hors de question parce que bibliquement, c'est interdit. C'est interdit. Et tout enfant, tout chrétien qui veut vivre pleinement sa foi doit se soumettre au commandement de la Bible. Donc, ce qui suppose qu'il doit connaître d'abord la parole de Dieu, qu'il connaisse Dieu et qu'il participe à la vie de l'Église et qu'il soit un témoin, parce qu'il est un témoin, il est la lumière pour les autres. Moi, j'aimerais, pour une parenthèse, parler de la capote. Parce que très souvent, c'est le moyen le plus utilisé. Moi, j'ai un petit problème. Peut-être que ce que je vais dire va susciter un problème après. Mais quand on parle de la capote, on insiste surtout comment le porter, comment l'utiliser. Mais en amont comme en aval, il y a un problème. Parce que quand vous prenez la capote, il y a une notice là-dedans. Et quand il y a une notice dans un produit, c'est qu'il y a un problème. Mais très souvent, les utilisateurs ne lisent pas la notice. Oui. Parce que ce qui est écrit à l'intérieur me fait frissonner tous les jours. Je ne sais pas, est-ce que les jeunes ou tous ceux qui l'utilisent sont conscients qu'il y a un danger? Tout d'abord, c'est le climat. Parce que la capote, c'est un plastique. Il ne faut pas le conserver n'importe où. Il faut le conserver dans un lieu frais. Est-ce que dans toutes les boutiques du Burkina, il y a la climatisation? Oui, le froid.
Je ne sais on pas. Dire donc il y a un risque. Simplement. Voilà, il y a un risque à ce niveau-là. Mm-hmm. Bon, et il y a l'utilisation, même l'utilisation, surtout au retrait de préservatifs. Très souvent, quand je demande à mes participants qui doit porter le préservatif, qui doit le mettre, est-ce l'homme ou est-ce la femme? On donne la réponse, mais mm-hmm. je dis qui doit le tirer? Très souvent, que c'est l'homme. Je dis non, c'est la femme. Parce que l'homme, déjà, ses sécrétions sexuelles sont dans le préservatif. Tandis que les sécrétions sexuelles de la femme sont sur le préservatif. Si c'est l'homme qui doit le tirer, vous imaginez si la désinfection au niveau des doigts, il coule et il se fait infecter. Oui. Alors, ce sont des choses sur lesquelles on ne parle pas beaucoup. Oui. Et même la péremption. Combien de personnes savent lire? Combien de personnes effectivement vérifient que la comporte n'est pas périmée? Puisqu'il le fait en cachette. Alors bon, malheureusement, le okay, temps manque pour... Oui, le temps manque justement pour élargir le sujet, parce qu'il nous reste les solutions à aborder avant donc, de clore cette émission. Oui, Imam, okay, pour donc, justement les méthodes contraceptives. Voilà, comme Pasteur l'a dit, nous les imams, on ne parle pas de nous-mêmes. Mm-hmm, tout ce sûr. Que j'ai dit sur ce plateau, et certes ça m'engage, mais aussi la communauté musulmane, c'est dire que si je venais à permettre une chose... Quelqu'un peut le savoir parce qu'il a le même texte que moi. Mm-hmm. Avec les hommes mariés dans le couple, les méthodes de planification familiale peuvent être utilisées, mais pas tous. Il y a ce qu'on a appelé les méthodes de barrière. Mm-hmm. Ce qui ne permet pas d'arriver à la fécondation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de détruit. Autrement dit, quand on remonte avec la jeunesse, c'est dommage, mes jeunes frères, mes enfants, et la religion est stricte là-dessus. Pas question qu'un homme aille avec une femme ou une fille aille avec un homme si ce n'est pas dans le cadre de mariage. D'accord. Donc le meilleur moyen, et c'est l'abstinence ou la chasteté pour beaucoup, c'est ce que nous religieux on conseille. Et même nous hommes mariés, pour ce que les célibataires ne savent pas, il y a des situations où on nous demande, quand bien même on est marié, de nous abstenir aussi. Donc il y a des exercices d'abstinence, même dans le couple. Et pour les passeurs, c'est ça, non? Voilà. Voilà, merci bien. Donc, les célibataires, abstenez-vous jusqu'à ce que Dieu vous donne les moyens. Voilà. Vous pouvez pratiquer des exercices qui ne vont pas activer très vite. Chez nous, par exemple, le prophète conseille la jeunesse de jeûner. De jeûner. On va faire le carême, ça émousse les ardeurs. Puis discipliner le regard, ça émousse aussi les ardeurs, tout ça. C'est des exercices qu'on pourra s'adonner à d'autres occasions, Inch'Allah. Merci bien. Alors, deux jeunes pour nous dire votre avis sur la contraception. Quelqu'un qui n'a pas... Oui, allez-y, vous n'avez pas encore parlé. Par rapport à ce que le papa vous dit... Le micro, oui. Je suis bien d'accord qu'il faut s'abstenir, mais il faut d'abord vulgariser les méthodes contraceptives, là, tout en montrant leurs limites. Parce que beaucoup de jeunes... Oui, approche le micro. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas... Pas conscience des limites. Ils pensent que se protéger, c'est suffisant. Pourtant, il y a d'autres conséquences encore. C'est au vu de tout cela qu'ils pourront s'abstenir, décider de s'abstenir. D'accord. Il faut connaître pour décider. Ouais. D'accord. Oui. Ok. Je vais venir un peu avec. Je suis d'accord avec le chef. Les jeunes, nous-mêmes, on est jeunes, mais c'est un problème. Tu dis, fais, il fait excessivement. Il ne fait pas excessivement. Mm-hmm. Donc, c'est un problème. Mais encore, il y a une autre réalité qui est là. Je ne sais pas si mon analyse est fausse ou pas. Oui. On est tous d'accord sur ce plateau que les jeunes sont sexuellement actifs. Mm-hmm. Actifs du moins. Bon, pas tous, mais la majorité. La majorité. Voilà. Maintenant, comment arriver à faire ça? Ce sont des questions. Comment arriver à canaliser ces derniers? Puisqu'on aime dire qu'une tomate pourrie parmi 10 bonnes tomates risque de pourrir et risque d'infecter les autres. Mm-hmm. Maintenant, là, on fait comment? On lui dit d'utiliser bien les méthodes contraceptives ou on fait comment? La question, elle est ambiguë au juste. Mm-hmm. Voilà. Mais je pense bien que il faudrait qu'il y ait une large ouverture d'esprit des deux côtés, que ce soit religieux et jeunes, et parents et jeunes, afin que s'il y a lieu d'utiliser ces méthodes contraceptives, comme vous l'avez si bien dit, qu'elles soient canalisées. Alors, merci, voilà. C'est fini, mais quand même, on va aborder les solutions. Ouais. Alors, Naba, qu'est-ce qu'il faut faire, justement? Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire aux jeunes pour éviter une sexualité précoce, rapidement? Et les recommandations que nous avons, c'est des conseils, en fait. Ah.
je prendrai ma première recommandation par rapport à son intervention. C'est-à-dire que canaliser les jeunes pour qu'ils s'abstiennent. Moi, là où je suis, là, je suis convaincu qu'il y a des filles vierges à l'université. Il y a des filles vierges à l'université. C'est des modèles. Okay. Et je pense que il faut valoriser ces valeurs-là. D'accord. Il faut quand même montrer. Parce que souvent, les gens crient que la virginité, c'est pas une bonne chose, tu connais pas, tu vas aller vivre comment. Bon, nous trouvons que la virginité est une valeur. Okay. Il faut promouvoir. Allez-y, Imam, pour les solutions, rapidement. Les solutions, bon, en tout cas, rien n'est impossible. Je vais demander à la jeunesse d'aller vers les conseils des leaders religieux à travers la culture des valeurs morales, telles que l'abstinence. On n'a jamais vu quelqu'un mourir parce qu'il s'est abstenu. On a vu des gens qui ont couru à leur perdition parce qu'ils se sont pas abstenus. Bien sûr. Voilà, donc c'est que moi je vais conseiller les uns les autres. En tout cas, et c'est pas quelqu'un qui va le faire à notre place. Il y a des grandes décisions que chacun la prend lui-même. Je décide de m'abstenir et je veux mettre les moyens pour y parvenir. Donc que Dieu nous soutienne. Amen. Pasteur, amen. Pour finir. Il est bien possible d'être abstinent. Et j'ai 6 méthodes très simples. Ok. Première chose, dites non au mauvais, à la mauvaise compagnie. Deuxièmement, il faut avoir un modèle ou un conseiller. Très souvent, vous n'en avez pas, c'est entre vous. Mais vous pouvez au niveau des tontons, des tantes, avoir un conseiller. On parle très souvent de SMS sans modèle social. Donc, il vous faut un modèle social. Troisièmement, bien choisir les lieux de rencontre. Les lieux de lobby, là, il faut les éviter. Okay. Quatrièmement, dire non par le langage gestuel. Quand on n'est pas d'accord, le corps ne peut le montrer. Ensuite, dire non par la parole et rester ferme. Quand tu es chrétien, tu dois être exemplaire. Tu dis non, non c'est non. Et enfin, quand tout cela échoue, il faut fuir. Il faut fuir tout simplement. Merci à vous, chers parents. Une seule personne pour les solutions, oui. Oui. Moi, ma solution, elle est très simple. Pour ceux qui ne sont pas sexuellement actifs, ils n'ont qu'à repousser le premier rapport le plus tard possible. D'accord, repousser le plus tard possible. Ne commencez pas tôt. C'est un jeune qui donne ce conseil. Donc, oui, rapidement. On d'accord. A pas le temps. Moi. Oui. Comme solution, je propose quand même que vraiment nos leaders, nos papas là, essaient de voir aussi. Nous, quand nous sortons, par exemple, pour les sensibilisations ou les causeries, on préconise avant tout, en tout cas, l'abstinence. Voilà, ça c'est la première des choses qu'on demande en tout cas à nos pères jeunes. Et maintenant, si à défaut de pouvoir vous abstenir là, à défaut de vous abstenir, vous devez quand même avoir une méthode de protection pour éviter les grossesses non désirées ou même les infections. Donc, je pense que ce serait bien que papa, vous ça essayez aussi. Les papas ne veulent pas. Voilà. Essayez de prendre quand même en considération. Voilà, parce que nous conseillons l'abstinence, mais bon, c'est bizarre parfois. Souvent, il y a des gens qui ne veulent pas. Oui. Ok. Voilà. Mais pour ceux qui sont déjà actifs. D'accord. Ajoutez à cela, bon, je pense surtout aux jeunes. Allez surtout vers les centres de santé qui sont déjà là, qui existent pour vous. Aller vers le savoir, chercher à connaître davantage. Chacun reste dans son coin et il ne cherche pas à aller et chercher à connaître. Voilà. Pourtant, les structures sont là. C'est pour les jeunes surtout que ça est là. Donc, allons-y. On ne gagne, ça ne nous coûte rien en tout cas d'y aller. Voilà. C'est... Et aussi, utilisons Internet à des fins beaucoup plus intellectuelles et aussi chercher l'argent dessus. Quoi. C'est encore mieux que. Voilà. Merci bien. Merci. On est vraiment pris par le temps. C'était un débat intéressant parce que le thème est vraiment intéressant. Merci à Mikaïlo et Drago d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci. Merci. Et puis, on va dire merci à madame qui est là, Laetitia Compaoré, donc, qui est justement gestionnaire comptable donc, à l'URCB. L'URCB qui est l'Union des religieux et coutumiers du Burkina Faso. Donc, merci. Et merci à nos invités. Sur ce plateau, nous avions sur ce plateau messieurs donc Diony et
Talouta, qui est imam. Merci à vous, imam, d'être passé sur ce plateau. Également le pasteur Ouedraogo Didier. Merci à vous, pasteur. Et pour finir, notre papa, le Baloum Naba de Tampuy. Merci d'être passé, chef. Et merci à nos jeunes hein, qui ont répondu justement à cette invitation. Merci. Et puis nous espérons que vous puissiez grandir encore plus, à faire vos mariages. On va venir célébrer vos mariages avant, bien sûr, que vous puissiez entrer donc, dans une sexualité quelconque. Amen. Donc, dites amen tout simplement. Et merci à vous, donc, auditeurs de Savané FM. Merci d'avoir suivi cette émission. Et à vous, téléspectateurs de Savane TV, on vous dit merci également d'avoir suivi cette émission. Et merci justement à la structure donc pour cette initiative. Je vais parler de l'Union des religieux et coutumiers du Burkina, l'URCB-SD. Merci pour cette belle émission qui conseille beaucoup les jeunes. On se retrouve très vite sur Savane TV. On se dit au revoir.